Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo action et courrier. Donc on commencera par action. J'avais pas l'intention d'aller chez Action parce que là c'est la fin du mois. Hein. Et j'y suis allée, on va dire, en remède antidépressif. Voilà. J'ai passé une nuit horrible. Ce matin, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour à Action pour changer les idées. Et puis voir si les nouveautés sont arrivées. Voilà. Pourquoi j'ai passé une nuit horrible? Bon, je raconte un petit peu ma vie. Je suis, on va dire, dépressif. Oui, je suis dépressive depuis plus de 10 ans. Suite à des soucis personnels. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail. Rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Hein. Bon, c'est, voilà. Maintenant, tout va bien, mais bon, mon état est toujours. J'ai toujours on appelle ça une dépression cachée. Voilà. Et cette dépression cachée me donne une autre maladie. Enfin, c'est pas une maladie, c'est un syndrome que je souhaite à personne. Et heureusement, malheureusement pour moi puisque je l'ai, mais heureusement pour les autres parce qu'on n'est que 1% de la population à avoir ce syndrome. Donc c'est considéré dans les maladies très rares. Il n'y a pas réellement de remède. Voilà, donc quand les crises arrivent, et en ce moment il y en a souvent, donc c'est des douleurs qu'on a sur la langue qui font hyper mal, très très mal quand on est en crise haute. Hier je me suis couchée, ça s'est réveillé. Et moi j'ai passé la nuit dans le canapé, bon j'ai réussi à m'endormir mais je sais pas quelle heure, peut-être vers 3-4 heures du matin. Et mon mari, quand il s'est réveillé, il m'a vu dans le canapé, bon il m'a réveillé doucement et il m'a dit de repartir dans la chambre, bon parce que je savais que dans le canapé, je dormais mal. J'ai endormi quoi, 3 heures peut-être, bon ça m'a fait du bien. Donc c'est pour ça des fois aussi quand je fais des vidéos, je vous dis, désolé je parle mal mais j'ai mal aux dents et tout, mais non c'est pas les dents, c'est des douleurs que j'ai à la langue. Donc là aujourd'hui, ce matin ça picote, donc c'est pour ça que j'arrive à vous parler. Donc ça fait 10 ans que j'ai ce syndrome. J'ai d'ailleurs ouvert un groupe sur Facebook sur ce syndrome. Ça s'appelle la glossodynie. Et très très peu de médecins connaissent ce syndrome. Même à l'hôpital. Hein. Même à l'hôpital. Depuis 10 ans, c'est seulement la première fois, enfin la première année où je commence à avoir un suivi, un réel suivi médical avec un vrai traitement. Mais bon, et le traitement c'est très très lourd, c'est trois sortes d'antidépresseurs, donc en cachet, en goutte, en bain de bouche, antidépresseurs aussi en bain de bouche. Un antidépresseur très très lourd. Des fois je suis dans le potage, mais voilà. Je vous ai raconté ma petite vie. Donc du coup ce matin je me suis dit bon je vais aller à Action, ça va me changer les idées. Puis en même temps je vais voir si moi je trouve les nouveautés que les copines ont trouvées. J'en ai trouvé quelques-unes, mais pas tous. Donc j'ai pas trouvé encore les dies Père Noël et les boules de Noël, le sapin de Noël. Vous savez le dies avec le tampon. J'ai demandé à un des vendeurs, ils m'ont dit que ça devait arriver très 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 bientôt. il n'a pas su me dire quel jour. Donc ça peut arriver cet après-midi, ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. Mais bon, je ne vais pas y aller tous les jours hein, pour les voir. Pour voir s'ils sont là, bon, on verra bien la semaine prochaine quand j'irai s'ils sont là ou... on verra. Bon, après vous avoir raconté mes petits malheurs
Mais bon, vous voyez, j'ai quand même toujours le sourire, je rigole tout le temps. Il faut bien parce que sinon, on mettrait une camisole de force. Allez, je vous montre mes petits achats. Des petites enveloppes bulles, voilà, pour m'envoyer les commandes de ma boutique. Enfin, ça commence à démarrer sur ma boutique, je suis contente. J'ai eu 3 commandes ce week-end, donc c'est bien. Alors, j'ai trouvé le vélum. Ah, ça, je suis contente. Mais alors, par contre, aujourd'hui, au rayon loisirs créatifs, il y avait un bordel. À quoi qu'il y avait une bombe qui était passée dans le rayon. Là où j'ai trouvé la plupart des choses, tout était mélangé. Mais alors, tout. Il y avait les blocs 15-15 Disney, il y avait les Vélom, il y avait les nouveaux trucs que je vais vous montrer après. Tout était mélangé sur un seul coin. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont dû les mettre à l'arrache dans le rayon, ou alors il y a des clients qui sont passés qui ont tout foutu en l'air. Mais bon, voilà. Du coup, ça ne m'a pas calmé ça. Alors, dans les Vélom, j'ai trouvé celui-ci. Alors attendez, je vais remonter peut-être un peu la caméra. Je ne veux pas que vous voyez ma tête parce qu'en plus, elle est déchirée ma tête ce matin. Ah ouais, je me fais peur toute seule. Je me regarde dans la glace, je fais « Ah! Non! C'est qui ça? » Allez, je vous montre. Vous voyez? Donc, ça va être des sentiments. Donc, ça va être super pour faire les cartes. Non, pas devant, pas devant, mes mères. Si tu veux descendre, tu te mets là. Merci. Oh là là. Coucher, coucher. 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 Waouh, bravo. C'est bien, ma fifille. Oui, j'ai un chat obéissant. Voilà. Bon, je sais pas si vous les voyez bien, mais on va je pense. Donc il y a tout, hein, miracle. Bon, c'est tout en anglais, hein, mais bon, c'est tout des choses assez faciles. Là. Thank you, là c'est tous des thank you, des carpe diem, voilà, des love. Voilà. Par contre, ils sont combien? Il y a 2 pages de chaque, voilà. Il y a 2 pages de chaque. Ça, c'est super bien. Parce que là, pour faire mes cartes, ça va être génial. Je suis pas gauchère, mais je travaille même ma main droite. Ma main gauche. Pas pour écrire, hein, mais c'est vrai que. Ni pour couper, mais je travaille beaucoup, beaucoup de ma main gauche. Fonctionne mieux celle-là. Voilà. Voilà, là c'est des Happy Birthday, par exemple. Voilà. Donc, et la dernière, voilà. Super. Alors, j'ai celui-ci. Oups, ça brille. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, j'ai celui-ci. Là, ce ne sont que des feuilles. Vous voyez, des feuilles comme ça. Donc, alors, je referme pour vous dire. Ouais. Alors, en haut, c'est juste ben, blanc. Hein, comme ça. Bon, Fifi, cache tes fesses, s'il te plaît. Merci. Et en bas, c'est brillant. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Alors, pareil, il y en a 2 de chaque. Oh, Fifi, allez, descends, descends, ma pupuce. Descends, mon mignon. Voilà. Merci. Je sais pas comment mettre. Alors, je me suis mis face à la fenêtre pour être bien à la lumière. Voilà. Ils sont super beaux. Et alors, allez, va voir là-bas si j'y suis. Fais pas tomber la caméra. Oh.
Vous voyez ça, c'est la queue fifi enroulée sur ma caméra. Mais elle est. Oh. Oh, une feuille qui est partie. Donc, je ne sais pas où elle va. Là. Voilà. Oh, ici il est beau. Regardez avec des notes de musique. Voilà, c'est tout pour celui-là. Alors l'autre, enfin le suivant, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est pareil, c'est des mots. Alors là, ils sont plus en couleur et en brillant. Donc qu'est-ce qu'il y a de... C'est bon, couleur et argenté. Bon, je sais pas. Est-ce que vous voyez? Ah, je ne sais pas. Ah, je suis gauche aujourd'hui. Non, vous voyez? Ma main droite, ça va pas. Bon, Edith, qu'est-ce que tu fais? Les happy birthday. Voilà, des cartes d'aime. Entre autres, hein. Et voilà. Ensuite, j'ai. Ah non, je crois que j'avais pris deux fois le même. Enfin bon, ce serait pas grave. Mais celui-ci, voilà. Bon, alors je vais essayer de vous montrer. Alors celui-là, c'est couleur et doré. Magnifique celui-là. Bon, je vous montre en général. Voilà. Je sais plus comment vous les mettre pour que vous les voyez bien. Ils sont vraiment beaux. Ah, celui-là, il y en a combien de chaque? Alors attendez. 1, 2, 3. Ah, il y en a 3 de chaque, c'est ça? Oui. Bon, là j'en ai, ah si, j'en ai 3. Bon, je sais pas. Hop. Et le dernier, celui-là. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, non. Bon, là, je vais vous montrer comme ça. Sinon, on va pas s'en sortir. Ils sont vraiment très, très beaux. Ah, papa. Ah, mais ça va pas mieux, hein. Allez. Oh, celui-là est chouette. Faire des fonds de cartes, ça va être génial. Voilà. Et le dernier, c'est encore des sentiments. Voilà. Donc en couleur et en doré. Des love, des love, des love. Il y a beaucoup de love dans celui-là. Déjà des petites idées dans la tête.
pour ce que je vais en faire. Donc voilà, ça c'était pour les vellums. Ensuite, alors ça je vous montre après parce que je vais vous faire rire. Alors ça, est-ce que j'en ai pas d'autres qui prennent? Non. Alors comment ils appellent ça? Les punched paper. Ça. Alors là, par contre, il y a un autocollant. On va prendre un couteau. Hop. Ah bah, il s'est rangé. Il a eu peur du couteau. Bon, on a l'autre côté aussi. Ça va être pareil. Pour faire des fonds de cartes, ça va être pas mal. Voilà. Alors, les punchettes, c'est... Bon, alors, il va se décoller, oui. Oh! Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est ce que nous, on peut faire peut-être déjà avec notre Big Shot. Voyez, avec des dies. Voilà, c'est les papiers déjà, déjà découpés. Donc, pour faire les fonds de cartes, ça va être superbe aussi. Donc là, on en a combien de chaque? 1, 2, 3, 4, 6. 6 de chaque. Donc là, ça va être des petits cœurs. Là, c'est... Voilà, c'est ça. Donc il y a 4 modèles de chaque. Et celui-là. Ensuite, alors dans les grands... Alors il y a plusieurs tailles en plus, c'est ça qui va être pas mal. Donc là, c'est le même, mais pas dans la même couleur. Voilà. Vous voyez? Donc les petits cœurs. Les losanges. Il m'en manque un, voilà. Et celui-là. Alors, ici, plus petit. Vous voyez? La taille, je vous montre. Donc c'est plus petit. Puis j'ai pas de patience aujourd'hui. J'ai une humeur massacrante contre moi. Contre personne, hein, c'est juste contre moi. Voilà. C'est rien. Après, on va faire le ménage. Ça va calmer aussi ça. Et après, je continue l'album. J'en suis à la 4e page. Voilà. Celui-là. Voyez. Et ben, il me restera plus que 8 pages, 4 pages à faire. Voilà. Donc vous avez encore 5 vidéos à voir sur les pages. Alors celui-là, ça prend une autre taille. Vous voyez, celui-là est en plus en hauteur, moins large. Vous voyez? Donc je rigole parce qu'il y a un bouchon devant chez moi. Ça aussi, ça m'a énervé ce matin. Ils sont en train de refaire, là où j'habite, à Villeneuve-d'Ascq, ils sont en train de refaire plein de travaux partout. Il y en a pour 7 ans de travaux dans la ville. On voit que c'est une ville qui a des sous. Et ils sont en train de faire un rond-point là derrière mon immeuble. Et ce matin, donc moi je sors de mon parking. Enfin, je ne peux plus sortir, je peux sortir que d'un côté. Parce que l'autre côté est fermé puisqu'ils refont la route. Et je sors de mon parking, j'arrive au bout de la rue, route barrée, je fais demi-tour, je reprends donc au-dessus de l'autoroute pour aller sur Auchan, je veux tourner pour reprendre la route que je voulais prendre ce matin, route barrée. Alors ce qui fait que pour faire, on va dire quoi, 500 mètres, bon je sais, j'ai pris ma voiture pour faire 500 mètres, mais comme j'allais à Action après, bah, j'ai fait un détour de plus de 3 km. Alors que c'est à 500 mètres de chez moi. Et ils n'ont pas mis de panneau à mon parking.
Donc, on tourne, hein, normal. Ben oui, mais quand tu à 50 mètres de là, ben, c'est barré. Enfin, tout pour me mettre de bonne humeur aujourd'hui. Allez. Et celui-ci. Voilà, donc c'est toujours 6 de chaque et 4, 4, de, 4 modèles différents. Voilà, on va y arriver. Et le dernier que j'ai trouvé. Bon, il y en avait peut-être d'autres, hein, mais j'en avais marre de plier. Bon, puis là, j'en ai déjà pas mal, hein. Ils auraient dû faire des brillants. Je sais pas si vous en avez vu des brillants, des dorés, des argentés, mais j'aurais aimé, ça aurait été beau. Que des couleurs mates. Mais bon. Voilà. Et voilà pour les punchheads paper. Je parle toujours aussi bien anglais. Hein, Ensuite. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors là, patata, tic-tic. Alors, je vais d'abord. Alors, j'ai repris, il y en avait, donc j'en ai repris, du Mix & Media. J'ai repris un bleu et un doré, puisque j'adore le doré. Bon, je vous remontre en vitesse, hein, parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Puis là, je suis quoi? Oh, je suis déjà à 20 minutes de vidéo, hein. Je vais vous faire un haul d'une heure, moi, je sens. Voilà. Voilà, pour le doré. Est super beau aussi, celui-là. Les holographiques, ils sont trop beaux, j'adore. Les maths, moins. Mais bon, j'apprends bien quelque chose. Voilà. Donc, pour le Mix & Media. Des tampons. Alors, je sais pas si c'est dans les, si c'est des nouveaux. Je crois que je les ai pas vus beaucoup dans les vidéos. Je me trompe peut-être. Mais bon, voilà. Donc, celui-là. Donc, avec un arbre tout fleuri. Regardez, je sais pas, je mets pas trop près parce que ça va être flou. Là, et des étiquettes. Celui-ci, donc avec des papillons, hein, bien sûr. Il y a un papillon. Voilà, un papillon. Et des fleurs. Donc pareil, il y a des étiquettes, un cœur. Excusez-moi, je bâille, mais bon, comme j'ai pas dormi, je m'ennuie pas avec vous. Hein, mais bon. Celui-ci. Donc, toujours avec des papillons, des petites étiquettes. Et celui-ci, avec les flammes en rose. Il est trop beau. Voilà. Donc, j'en ai trouvé que 4. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Après, bon, j'ai repris un paquet d'enveloppes et de cartes, hein, pour faire mes cartes. Les carnets de pour faire des boîtes, enfin des petites boîtes. Voilà. Donc celui-là, c'est des ça, comme des petits pochons. Hein, voilà. Donc j'ai plus qu'à les enlever et à coller la petite partie qui est là. Et puis vous les former. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je vous montre les couleurs. Donc là, il y en a un de chaque, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas. Non, il y en a plusieurs. Ça, vous avez déjà vu. Voilà, ouais, il y a. Après, il y a des petits embellissements qui sont déjà prédécoupés. Aussi. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-ci. Alors je sais qu'il y a dans des actions, ils ont été mis au rayon, vous savez, les emballages cadeaux, tout ça. Moi dans le mien, c'était, il y en avait dans les deux rayons. À l'emballage cadeau enfant
et aux loisirs créatifs. Ils en avaient mis les deux côtés. Comme ça, ils se sont dit, on est sûr de les vendre. Oui, donc il y a, je crois qu'il y a deux modèles de chaque. Et là, les embellissements. Voilà. Et le dernier, bon, je n'en ai pas pris pour l'instant. Celui-ci. Donc là, ça fait comme des petites enveloppes, vous voyez. Donc c'est pareil, hein, de toute façon, comme je vais garder le modèle, et comme ça, bah, je pourrai en refaire. C'est mignon, bah, pour faire des petits cadeaux. Voilà, après c'est toujours la même chose. Je sais pas si c'est en deux ou trois fois. Bon. Ah chouette, il me manque un embellissement. Oh mince. Alors, faut bien regarder hein, quand on achète chez Action. Alors du coup, il me manque un embellissement. Voilà. Bon, tant pis. Voilà. Alors je crois que les courriers, je vais vous faire une autre vidéo. Parce que ça va être très très long. Ici, j'ai repris des petits embellissements glitter, donc couleur argent, comme ceci, voilà, et couleur dorée, c'est ce que je préfère, ceux en couleur, je les aime pas trop. Là, j'ai pris ça, alors j'en avais pas encore pris, c'est des cartelettes, alors, 10 fois 5 couleurs, c'est des 200 grammes, donc là c'est les couleurs pastel, voilà, j'ai les couleurs ici, donc je trouve ça pas mal pour faire, bah, pour couper dans les, pour les dies, tout ça, c'est du 200 grammes, donc il y en a des moins épais, ça doit être du 160 ou du 180 grammes, moi j'ai pris les plus gros, voilà, et là les couleurs un peu plus vives, voilà. Et on termine, alors désolé, on a eu une coupure, ma carte vidéo était pleine, donc j'étais en train de déballer, voilà, le nouvel article, le dernier article que j'ai pris chez Action, donc j'étais en train de vous dire, je vais vous faire rire, voilà, il y a été un petit moment, quelques mois, je ne sais plus, attends, mes nerfs, enfin, il y a plus d'un an, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire du peeling. Et puis, bon, j'ai essayé une fois. Je vends une fifille. Qui la veut? Non, non. Mmh. Non, non, on va pas te voir. Malgré qu'il y a des jours, j'aimerais. oui, donc, fais à ta guise, hein, ma fille. Voilà. Donc, je vous disais, j'avais acheté tout ce qu'il me fallait pour faire du killing. Alors, le killing, c'est on enroule du papier sur un petit stylo, comme ça, voilà. Puis, on fait plein de choses. En fait, bon, c'est surtout des tableaux. Donc, avec des fleurs, des papillons, des oiseaux, des poissons. On peut faire une maison. On fait tout ce qu'on veut. Et puis ben, je m'en suis servi une fois, deux fois pour essayer, puis j'ai laissé de côté et en fin de compte j'ai revendu tout mon kit à une copine il y a quelques temps. Et puis ben, voilà ce que j'ai trouvé ce matin chez Action. Alors j'ai déjà enlevé du sachet, voilà, on va mettre ça, le sachet, voilà, un kit de killing. donc je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, allez on va, je vais essayer de m'y mettre sérieusement parce que j'aime vraiment ça, j'aime le résultat que l'on peut voir. Allez sur Google, vous tapez killing,
QUI2LING. Et vous allez voir les merveilles qu'on peut faire avec ça. Donc voilà. Alors dans ce kit, vous avez bien sûr les papiers. Hein, donc là, ce sont des bandes. Je ne sais pas s'ils ont marqué quelle taille ils ont mis. Alors attendez. Alors, ils ont mis des. Il y a 200 bandes papier de 3 mm. Et il y en a 100 de 5 mm. Voilà. Donc, les 5 mm, c'est celle-ci. Donc, vous voyez les couleurs. Et les 3 mm. Alors, donc, voilà. C'est plus petit, hein, bien sûr. Voilà. Donc, c'est les mêmes couleurs. Ouais, voilà. Ensuite, vous avez la plaque à Killing. Alors ça, c'est une plaque. Alors vous pouvez faire des. Avec, vous enroulez votre papier. Donc le stylo. Excusez-moi, je ne vous montrerai pas le stylo. Alors là, je ne pense pas que vous allez voir sur la vidéo. Mais il y a une fente donc au milieu de ce pic. Vous enroulez le papier dessus et vous tournez. Bon, j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo. Je vais oser vous demander, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Killing, en sachant que là je suis pas une pro, hein. Bon, je sais en faire un petit peu, des trucs simples, mais bon, j'ose vous demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Killing. Bon, je devine déjà votre réponse, hein. Donc on enroule le papier et après on peut mettre dans ces formes là. Alors on peut faire des ronds de différentes tailles. On peut faire des cœurs, des ovales, des triangles, des demi-cercles, des carrés, vous voyez. Et derrière, c'est pareil, c'est du liège. Donc là, il n'y est pas dans le kit. Moi, dans le kit que j'avais acheté, il y avait vraiment tout. Vous aviez des. Il vous faut des épingles pour pouvoir faire des formes. Voilà. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Alors vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Bon là, c'est des choses simples. Hein. Mais il y a des artistes, j'appelle ça des artistes, parce qu'elles font des trucs, mais alors, incroyables avec ça. Je vous dis, allez voir sur Google, vous allez voir, il y a des trucs, mais alors là, je serais incapable de le faire. Ça, je sais. Et voilà, vous voyez, donc, on enroule du papier autour de ce stylo. Et on fait des formes. Donc voilà, donc il y a quelques temps, j'ai revendu mon kit pour en racheter un maintenant chez Action. Alors, si vous êtes pour vous l'acheter, bon là, je n'ai pas repris du papier en plus. Le papier en plus, vous pouvez en trouver, donc il y en a même du plus large, au rayon enfant, au rayon bricolage pour enfants. Donc vous avez des bandes comme ça, déjà toutes prêtes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous avez aussi des feuilles. Donc là vous découperez vous-même, mais bon c'est plus, c'est chiant. Enfin bon, en ayant des toutes prêtes, et après vous en trouvez sur internet aussi, hein, mais bon ils sont pas au même prix, mais ça se trouve assez facilement. Donc voilà pour Action, j'ai fini. Donc voilà, c'était mon petit quart d'heure de antidépresseur naturel. Et là j'ai reçu donc au courrier, à part mon courrier normal hein, bien sûr, deux paquets. Alors le premier paquet, donc j'ai juste ouvert les enveloppes pour l'instant, j'ai pas regardé dedans. Hop là, j'en perds des choses, voilà. Oups. Le premier paquet, alors que je vous explique la petite histoire. Bon, je ne donnerai pas le nom de la fille sur YouTube, sur Facebook, tout le monde sait qui c'est. Puisque cette semaine, sur mon Facebook, j'ai mis. C'est rare que je pose des coups de gueule. Parce que bon, vous commencez à me connaître maintenant. Je suis d'un tempérament assez cool. Mais quand on se fout de ma gueule, au bout d'un moment, ça éclate. Surtout. Enfin, j'ai poussé mon coup de gueule suite à un message d'une autre de mes amies qui me disait qu'elle faisait un échange donc avec cette fille et que depuis plusieurs semaines, du coup, elle n'avait encore rien reçu.
Et donc cette fille et à moi d'ailleurs, puisqu'on avait fait un échange ensemble, enfin on prévoyait un échange ensemble, à chaque fois elle m'envoyait des messages pour me dire, ah ben j'ai pas eu le temps d'aller à la poste, ah ben je suis malade, ah ben la poste est fermée. Juste une précision, elle habite à Paris, donc il n'y a pas qu'un seul bureau de poste à Paris. Déjà. Et c'était les mêmes messages hein, pour ma copine. Donc on avait les mêmes excuses jusqu'à moi lui demander dire, bah, donne, comme elle vit avec un copain, donne le paquet à ton copain. En partant au boulot, il va le déposer dans une poste. Ah oui, mais on ne se voit pas le matin, il part trop tôt, on ne se voit pas le soir, il rentre trop tard. Ah bon. Donc là, bon, moi et ma copine, on a pété un câble et on s'est aperçu que cette fille s'engageait pour plein d'échanges sur Facebook et ne les honorait pas. Voilà. J'ai fait un message en mode public sur mon Facebook en l'identifiant et j'ai poussé mon coup de gueule. Voilà, là j'en avais vraiment ras-le-bol. Parce que bon, moi j'avais quand même, je ne pense pas être radin quand j'envoie des échanges, aussi bien au niveau création. Et donc, voilà, bon, moi, vous vous rappelez, j'avais fait l'album Zigzag, voilà, que j'ai passé quand même quelques heures dessus pour le faire. Et c'est ça que moi je lui ai envoyé dans une boîte avec plein de cadeaux dedans. Il y en avait quand même pour plus de 30 euros de cadeaux, largement même. Et donc moi c'était parti fin juin au début juillet. Donc là on est quand même fin août. Et puis ben, je suis malade, la poste est fermée, blabla. Hein, et. Ah, puis ce matin, je suis constipée. Hein. Ben, elle aurait pu me dire ça aussi, hein, pourquoi pas. On n'est plus à ça près. Là, la dernière chose, la dernière excuse, là, elle ne l'a pas fait à moi, elle l'a fait à une administratrice de groupe. Donc, moi, j'ai mes groupes aussi. Hein. Cette administratrice lui a envoyé un message en lui disant que ben, qu'elle la retirait du groupe. Et là, sa dernière excuse, ça a été, je suis à l'hôpital, je vais mourir. Voilà. Mais alors, donc là, elle est en train de se faire éjecter de tous les groupes de Facebook. Et donc moi, elle m'a envoyé donc cette fameuse fille m'a envoyé tout de suite un message à moi et à mon ami. Vos enveloppes partent demain. Comme par hasard. Vous voyez, il faut qu'on fait un coup de gueule pour faire réagir les gens. Et on a reçu donc un autre message, soi-disant que c'était le copain qui faisait le message, mais bon, ça, j'y crois pas non plus, en nous montrant donc nos enveloppes, comme quoi elles avaient été oblitérées et que donc qu'elles avaient été postées. C'est bien, voilà. Mais bon, c'est terminé les échanges avec elle, j'en ferai plus. D'ailleurs, je l'ai également retiré de mes groupes. Voilà. Parce que bon, on fait des échanges. Moi, je sais que j'ai encore des échanges en retard. Hein, dont une au Canada. Mais bon, là, c'est de ma faute et pas ma faute. Ça a été ma faute. Je l'ai envoyé tard. La poste m'a perdu mon colis. Donc, je ne sais pas s'il a été perdu en France, s'il a été perdu au Canada. Mais le colis m'est revenu dans un sale état. Donc, j'ai dû refaire le colis. Et là, j'attends de toucher parce que bah, ce mois-ci, il y a eu des factures. Il y a eu plein de choses. Parce que bon, pour envoyer au Canada, c'est pas, ça ne coûte pas un timbre. Et donc là, bon, ça va partir ici la semaine prochaine. Depuis le mois de février, la pauvre, elle attend. Mais bon, là, il y a eu des aléas avec la poste et tout. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais rajouter des petites choses pour la consoler dans son paquet. Donc voilà, bah, je vais vous montrer donc ce qu'elle m'a envoyé. Alors. À mon amie, elle m'a montré, elle l'avait reçu avant, elle l'a reçu samedi, moi j'ai reçu aujourd'hui. Elle m'a montré ce qu'elle avait reçu. Bon, moi, mon enveloppe est plus grosse, donc ça va.
Mais elle avait reçu deux feuilles de stickers, enfin que des stickers. Deux ou trois petites pochettes avec une feuille de stickers dedans dans chaque, et puis deux grandes, voilà. Pas de création. En plus des stickers pour enfants, hein, des Mickey ou des trucs comme ça. Donc voilà. C'est tout ce qu'elle a reçu. Bon, moi je vois que mon enveloppe est plus grosse. Mon coup de gueule a été plus gros aussi. Donc l'enveloppe est peut-être aussi en rapport de mon coup de gueule. Mais on va découvrir ensemble. Si Fifi veut bien se retirer. Alors, depuis tout à l'heure, elle se couche sur cette enveloppe. Il y a une deuxième enveloppe, elle n'y va pas dessus, mais alors elle se couche sur celle-ci depuis tout à l'heure. Tu veux pas que je regarde? Tu as peur pour moi? Allez, on va regarder quand même. Donc, je l'ai ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, quand même. Bon, ça va. Il y a déjà des choses. Peut-être pour se faire pardonner. Hop là, on va mettre l'enveloppe là. Alors, ouais, ça va, il y a quand même. Elle est un peu mieux que que l'enveloppe de mon ami. Alors, je vous montre des fleurs plumes. Voilà. C'est original. J'en ai jamais vu. Des papillons. Alors, c'est des papillons plumes aussi. Alors, c'est fait avec des plumes. J'espère que ça ne reflète pas trop. Des papillons comme ceci. Voilà, il s'est rappelé que j'aimais les papillons. Encore des papillons, là des blancs. Des fleurs, des embellissements fleurs. Voilà. Ah, c'est des boutons. Oui, c'est des boutons. Voilà. Ici, un paquet avec des die-cuts, des étiquettes. Alors, on va l'ouvrir. Suffit. Excusez-moi parce que ma fenêtre est ouverte. Et je ne voudrais pas qu'elle se sauve. Descends de là. Descends de là. Allez, hop, tu peux pas aller dehors. Me revoilà, désolée. Hein. Mais elle ne va jamais dehors. Et donc là, il fait trop trop chaud aujourd'hui. Donc j'ai ouvert les fenêtres avec une grande planche parce que j'ai pas de moustiquaire. Donc voilà. On fait avec ce qu'on a. Alors, ça, c'est quoi? Des mini stickers. Voilà. Un peu enfant. Bon, ça va, ils sont mignons, hein. On va pas être désagréable quand même. C'est mignon, vous voyez, ce genre-là. Encore des stickers. Alors là, bah, c'est le même genre, hein. Alors, vous voyez. Et là, toutes les étiquettes. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais vous voyez, hein, c'est à peu près. Fifi, bouge. Non, ta queue. Voilà. Ah, encore des étiquettes, mais avec des chats. Et arrête de bouger ta queue. Je vais t'attacher ta queue. Voilà. Avec des chats. Des découpes. Voilà. Ça, c'est bien, ça pourra aller sur un album famille. Donc il y a des petits fonds, des ananas, des petits chats.
Alors, j'ai beaucoup de chats. Hein. Alors là, c'est des rubones. Alors, c'est des chats. Fifi, s'il te plaît. Arrête. Voilà. Ah, des stickers avec des cages à oiseaux. Sont mignons. J'aime bien. J'espère que ça reflète pas trop pour vous. Des stickers avec des fleurs, des cœurs. Alors, ils viennent pas tout, c'est pas des choses de chez Action. Hein. Créartiste, je sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est pas des choses d'Action. Alors là, comment ça s'appelle? Un distressé, voilà. Alors ça, j'en rêvais, ouais, mais j'en trouvais pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors là, merci hein, pour ça. C'est pour donner un effet usé au papier en les frottant. Donc là, dans chaque encoche, il y a une lame. Et ça permet d'user le papier pour faire un effet vieilli. Super. Là, c'est Action, des papiers 15-15. Voilà. Bon, je ne vais pas vous les montrer trop à l'intérieur, c'est parce que là, la vidéo va être hyper longue. Voilà, je fais comme ça. Donc, c'est du vintage. Là, le Romantic Flow. Je n'ai pas un bon retour. Mais bon, vous commencez à les connaître hein, maintenant. Là, des stickers poissons. Encore des étiquettes avec des petits oiseaux. Ça, c'est Action. Des stickers chat. Avec une fifille. Je l'ai vu. Allez, une fifille. Ah. Ah oui, ça. Petit bouquet de fleurs en papier. Waouh! Alors c'est qui ça? Artemio. Une plaque de tampon. Donc de chez Artemio. Sur le thème des gâteaux, des cupcakes. Et là, alors il y a encore des stickers, des petits ronds comme ça, stickers, des bulles, des grosses bulles, voilà. Et du tampon, voilà, du tamponnage. Ah, des gorgus. Regardez un truc. Mais oui. Non, ce sont des photocopies de tamponnage. Voilà. Ce sont pas des vrais tamponnages, c'est des photocopies de tamponnage. Ouais, bon. Ok. Mais il n'y a pas de création. Voilà. Dans notre échange, on devait faire une créa. Il n'y en a pas. Bon, je ne vais pas être médisante. Les cadeaux sont super. Merci beaucoup. Mais voilà. En tout cas, bon, ben, merci pour l'envoi. Je ne m'excuserai pas par contre pour mon coup de gueule.
parce que je ne retourne jamais, je ne change jamais d'avis. Mais bon, merci pour tous ces cadeaux. Merci pour la photocopie des tampons de Gorgus. Mais bon, c'est un petit détail. Mais bon, il n'y a pas eu de création, donc voilà. Je vais peut-être passer pour une méchante. Je veux pas passer pour une méchante. Je sais pas, moi j'ai passé des heures à faire ma créa. Voilà, bon. Mais bon, maintenant je sais que je ne ferai plus, d'échange avec elle. Voilà, c'est tout. Dossier clos. Mais merci beaucoup quand même pour cet envoi. Alors, deuxième enveloppe. Alors, je l'ai ouvert. Donc, c'est ma copine. Oh, c'est ma copine Danielle qui me l'a envoyé. Vous savez, c'est une des personnes qui avait gagné mon premier concours. Voilà. Et là, je viens juste de jeter un œil comme ça. J'ai pas déballé, mais je sais ce que c'est. Et alors, déjà, Daniel, je veux dire merci pour l'envoi. Et merci pour ta confiance. Parce que. Alors, je vous dis pourquoi. Hop là, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Parce que, Daniel, je vais vous mettre le lien de ces vidéos pour ça. Elle revend du matériel. Et donc, j'en ai choisi. Et puis, elle me l'a envoyé. Alors que je ne l'ai pas encore payé. Donc c'est vraiment très très sympa de sa part. Mais bon, donc là cette semaine, je te fais le paiement. Hein. Tu savais que là je ne pouvais pas cette semaine ici. Donc voilà. Alors, je regarde le petit mot qu'elle m'a mis. Ouais, elle s'excuse parce qu'il y avait des choses que j'avais choisies et qui n'étaient plus disponibles le temps que je mette mon message. Voilà, elle avait reçu des emails entre deux. Mais bon, c'est pas un problème. Hein. Le principal, c'est que tu les aies vendues. Voilà. Donc, elle m'a fait une jolie petite carte, toute mignonne. Regardez. Avec comme un air de vacances. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. C'est la Fimo ou si... Je sais pas, tu me le diras. Voilà. On vient encore d'avoir une coupure. Elle m'a remis des nougats. Miam, miam, miam. Allez, je vous montre ce que j'avais acheté. Alors, comment on appelle ça déjà? Des daubers, voilà. Vous voyez, c'est les petits tampons qu'on met au doigt pour ancrer. Voilà. Qu'est-ce que. Des dies. Voilà. Ça, c'est un die de bordure. Vous voyez bien, oui. Donc, pour faire des découpes, hein, bien sûr. C'est ça, calme. C'est à ça que ça sert les dies. Celui-là, je le trouve juste magnifique. Il est trop trop beau. Et là, alors, ça j'avais pris, mais je sais plus à quoi ça sert. Tu me le rediras. Dans ta vidéo, tu l'expliques, ou je regarderai la vidéo pour parce que je sais que je l'ai acheté, mais je ne sais plus pourquoi faire. C'est un tapis de mousse. Voilà. Alors, ils disent Pricking and Stamping Mat. Voilà. Je vais regarder ta vidéo parce que je sais que je te l'ai acheté, mais alors pourquoi? Voilà. Et là, c'est un kit. Alors, là-dedans, il y a plein de choses intéressantes.
Elle est longue la vidéo aujourd'hui, hein. Je me demande si je vais pas vous la faire en deux fois quand même. Alors, d'abord, il y a des demi-perles comme ceci. Voilà. Hop. Des petites perles comme ça, toutes mignonnes. Des rubans avec des fleurs. Des dies. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il dit comme mot? Ça doit être félicitations, je crois. Enfin, je le découpe pour voir ce que ça donne exactement. Donc c'est un doré. Mais là, comme ça, j'arrive pas à bien le relire. On dirait que c'est écrit en allemand ou je sais pas. Voilà. Un autre dice de bordure. Trop trop beau. Il est vraiment beau, j'adore. Là, il y a une petite pochette avec des petits 3D, hein, des petits carrés 3D. Donc voilà, ça c'est le kit. Et dedans, il y a des feuilles. Alors, vous verrez pas bien, mais c'est des feuilles grisées. Voilà, donc là, des fines. Une blanche, une jaune, une rose, une grise, une jaune un petit peu plus soutenue. Et là, le même, mais en plus épais. Voilà. Donc en blanc, en jaune, en rose. Il est super beau parce que, je sais pas si vous voyez, mais il est irisé. Il est vraiment magnifique ce papier. Donc en gris, en jaune, et voilà. Et donc ça, c'est ce que le genre de choses que l'on peut faire avec les modèles. Voilà. Donc ce kit, elle leur vendait 4 euros. C'était vraiment pour rien, hein, avec quand on compte les dies et tout. Bah déjà, avec les dies. Donc, ça aurait été bête de ne pas en profiter. Alors, si je ne suis pas sûre, je dis peut-être des bêtises, je crois que c'est des... Bon, c'est son stock qu'elle revend, mais je crois que c'est son stock de matériel qu'elle revend. Elle travaille pour une marque qui vend du scrapbooking à domicile. Et je crois que ça fait partie de ça. Voilà. Daniel, tu me confirmeras, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est ça. Voilà. Et ben voilà, on a fini. On y est arrivé. On est arrivé au bout. Donc maintenant, il faut que je range tout ça avant que mon chouchou y rentre. Non, mais enfin, c'est surtout l'action. Hein. On va planquer ce que j'ai acheté chez Action. Parce que là, bon, il m'engueule pas, hein, mais il risque de me dire, c'est la fin du mois, tu vas chez Action. Oui, mais mon chouchou, j'étais pas bien aujourd'hui. J'avais le cœur gros. Bon, allez. Je vous abandonne. Enfin, je vous laisse. Je fais cet après-midi, bon, une fois que j'ai fini mon ménage. Hein, il est déjà 1h de l'après-midi, donc il faudrait peut-être que je m'affole. Je vais continuer, enfin terminer la page 4 de l'album et faire le montage de la vidéo. Je pense que vous aurez la vidéo de la page 4. Allez, on va essayer demain soir. Hein. Je vais faire mon maximum pour que vous l'ayez demain soir. Mais bon, ça vous permet de préparer les autres pages, hein, les pages d'avant, au moins. Donc, voilà, allez, je vous laisse enfin. Je vous fais à tous des gros bisous. Bon, t'arrêtes de tripoter, vite. Je vous fais des gros gros bisous à tous.
Je vous souhaite une bonne journée sous le soleil. Nous, on a du soleil aujourd'hui, hein, 29-30. Donc, j'espère que ça va durer, tout au moins aujourd'hui, parce que demain, hein, on verra. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!